Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Madame, Messieurs, bonjour et merci de suivre Congo Buzz Télévision. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans nos installations, mais nous sommes à la salle Garamba, à l'immeuble Paul Panda, pour couvrir une conférence de presse qui se tient sur la gouvernance sécuritaire, organisée par l'Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire, qui est coordonnée par le REGED, qui est le réseau de gouvernance économique et démocratie. Alors, cette conférence a eu lieu grâce à l'appui financier de différents partenaires, notamment Corded, ainsi que VNG International, qui est coordonnée par Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC, espère en sigle. Je voulais suivre ce qu'a été cette conférence, puis retrouvons-nous tout juste après. Il y aura vous présenter le programme du jour. Ils se sont réunis en synergie. Nous demandons, s'il vous plaît, directeur exécutif des régions de Tine et de la gouvernance économique des régions civiles, Bishop Avram Djamba, va nous donner. Nous le faisons en étant convaincus que les politiques sécuritaires sont les politiques au même titre que toutes les autres politiques. Et ce serait un péché pour nos sociétés civiles que de ne pas nous y investir. Un appel est donc lancé à chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édification d'une réelle gouvernance sécuritaire participative. Merci à REGED, avec l'appui de partenaires, de jouer le rôle de leader dans la dynamique. Et je vous remercie tous pour votre attention. Je voudrais présenter la note de plaidoyer de la société civile sur la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire sous le thème central de sécuriser chaque centimètre carré du territoire national, une responsabilité quotidienne en gouvernance sécuritaire dans la gestion quotidienne de la territoriale. Les organisations de la société civile signataires de la présente note de plaidoyer soutiennent que le gouvernement de la République et le Parlement ont la responsabilité d'assurer que le budget du pouvoir central, exercice 2023, reflète la volonté des institutions publiques de mettre en œuvre la gouvernance sécuritaire inclusive, préventive et efficace. Elle demande l'inscription d'une ligne budgétaire libellée « Appui à la gouvernance sécuritaire » dans la section 25 qui concerne l'intérieur et la sécurité dans le projet de loi de finances exercice 2023. Ceci en attendant l'élaboration, la validation et l'adoption de la politique nationale de gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale. L'inscription de la susdite ligne dans le budget du pouvoir central est demandée pour budgétiser les 9 grandes priorités de la société civile qui sont les suivantes. La première priorité de gouvernance sécuritaire, c'est l'adoption du document de politique nationale de gouvernance participative et inclusive en matière de la sécurité dans la gestion quotidienne de la territoriale. Deuxième priorité, le fonctionnement des comités locaux de sécurité. Troisième priorité,
le paiement des salaires et primes des autorités territoriales, administrateurs et leurs adjoints, les cadres territoriaux et les membres des services de sécurité. Quatrième priorité, le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la gouvernance sécuritaire. Cinquième priorité, la mise en place d'un système digitalisé, informatisé de collecte, d'analyse, de partage et de transmission des informations sécuritaires à temps réel et de feedback dans la gestion de la territoriale. Sixième priorité, l'établissement des diagnostics participatifs et inclusifs de sécurité ainsi que l'élaboration des plans d'action sécuritaire dans les 145 territoires et la mise en œuvre de ces plans d'action sécuritaire. Septième priorité, le suivi, l'accompagnement pratique et l'évaluation des performances des comités locaux et provinciaux de sécurité sur base des indicateurs de performance impliquant les structures communautaires et la société civile. Huitième priorité, l'évaluation périodique de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, avec l'implication des gouverneurs, des responsables des services et des animateurs des organisations de la société civile. Et enfin, neuvième priorité, l'exécution à 80% au moins de ce budget. Les organisations de la société civile, signataires de la présente note, attirent l'attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité et l'urgence de budgétiser la gouvernance sécuritaire dans la gestion quotidienne de la territoriale, entendue comme la subdivision du territoire national en provinces, villes, territoires, communes, chefferies, secteurs, groupements, quartiers et même selon la société civile, en rues et en leurs équivalents dans les villages. Elles s'attendent à un budget qui reflète la volonté politique exprimée dans le PNSD et réaffirmée dans le PAD, c'est-à-dire le plan opérationnel, et puis dans le plan opérationnel national de mise en œuvre des plans de sécurité de certaines entités de l'Est de la République démocratique du Congo, le plan d'action prioritaire ainsi que le CBMT 2023-2025 et autres documents stratégiques. Ceci pour assurer la sécurité dans une approche préventive et anticipative au quotidien. La société civile note que l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda à travers le M23, l'organisation des élections en 2023 et la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituent un contexte qui dicte les urgences à prendre en matière de à prendre en charge dans les budgets en cours d'élaboration. Dans cette perspective, le budget devra permettre aux autorités d'activer la fonction connaître de la politique de défense et de sécurité, leur permettre de connaître notamment des problèmes et menaces sécuritaires dans chaque entité, des problèmes structurels dans la gouvernance sécuritaire et des défis majeurs rencontrés par les acteurs et structures impliquées dans la gestion quotidienne de la sécurité sur l'ensemble du territoire. De manière concrète, les budgets du pouvoir central devront permettre de matérialiser les 9 grandes priorités, leurs sous-actions et les projets sécuritaires suivants. À chaque priorité, nous avons attaché les sous-actions qui doivent être budgétisées. Et vous pouvez, cher chevalier de la plume, retrouver cela dans les textes qui vous a été distribué. Et nous insistons sur l'exécution du budget qui pourra être voté, parce que une exécution insuffisante du budget voté équivaut à l'absence de budget. Et en plus de ces priorités, pour que justement ces priorités puissent être rencontrées, nous avons formulé quelques
six recommandations, sept recommandations pour que ces priorités puissent être soutenues et puissent être prises en compte. La première recommandation, c'est soumettre en urgence les projets portant organisation et fonctionnement des comités locaux, les comités provinciaux et locaux de sécurité. Et cela, c'est au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La deuxième recommandation, c'est prendre les décrets portant organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette recommandation est adressée à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. La troisième recommandation, c'est prendre des mesures d'application du dit décret une fois signé. Cette recommandation est adressée à Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'implication, bien sûr, des gouverneurs. La quatrième recommandation, c'est reconnaître les chefs de rue ou d'avenue au niveau urbain et leurs équivalents au niveau des villages comme agents publics de l'État. Ces agents-là fonctionnent avec leur titre de chef de rue, chef d'avenue, mais ils ne sont pas reconnus comme agents publics. Or, nous pensons qu'ils font un travail remarquable et pour cette sécurité de proximité, autant les reconnaître dans leur attribution. Donc, cette recommandation est encore une fois adressée à Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'implication des gouverneurs, bien sûr. Cinquième recommandation, définir les indicateurs de performance des autorités de la territoriale et des responsables des services de sécurité à tous les niveaux en général et les indicateurs de performance dans la mise en œuvre des plans d'action sécuritaire en particulier. Cette recommandation est encore une fois adressée à Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La sixième recommandation, c'est fixer les rubriques budgétaires claires dans le canevas du budget des ETD et en fonction des objectifs sécuritaires à atteindre par les ETD, principalement la révision de la nomenclature. Cette recommandation est adressée à Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, impliquant justement le ministère de l'Intérieur aussi. Et enfin, la septième recommandation, c'est diligenter une mission d'évaluation du fonctionnement des comités locaux de sécurité territoriaux dans toutes les provinces. La recommandation est adressée à Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, en impliquant justement Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui a l'intérieur dans ses attributions. Alors, pour le reste, ce que nous pouvons vous dire, c'est situer un peu le contexte de cette note de plaidoyer. En fait, cette note de plaidoyer est produite en conclusion de l'atelier de réflexion sur les thèmes « Demandes citoyennes de budgétisation et de la gouvernance sécuritaire » organisé du 20 au 22 juillet par les réseaux Gouvernance économique et démocratie, REGED, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile qui sont spécialisées dans la réforme du secteur de la sécurité et de la justice, spécialisé dans les finances publiques, spécialisé dans la défense des droits humains, spécialisé dans la défense des droits de la femme, spécialisé dans la défense des droits des jeunes, les peuples autochtones et les personnes vivant avec handicap. En effet, depuis décembre 2019, en RDC, la RDC plutôt dispose d'un plan national stratégique de développement, PNSD 2019-2023, articulé autour de cinq piliers qui constituent des axes prioritaires ci-après. Valorisation du capital humain, le développement social et culturel,
renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Ça, c'est l'axe qui intéresse la matière que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Consolidation de la croissance économique, la diversification et la transformation de l'économie, c'est le troisième axe. Quatrième axe, aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. Cinquième axe, protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques et développement durable et équilibré, et qui prend absolument en compte les objectifs de développement durable. Le document s'aligne sur le PNSD qui a été mis en cohérence avec la vision du président de la République, chef de l'État. Il porte de ce fait une vision commune de développement du pays réaffirmée dans le programme d'action du gouvernement PAD 2021-2023. Dans son discours programme d'investiture devant les honorables députés, Son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avait déclaré ce qui suit. Dans le même axe de la réforme du secteur de sécurité, il s'imposera aussi de mettre sur pied une politique de défense et de sécurité s'appuyant sur les 6 fonctions classiques et stratégiques de l'armée et de la police, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. La gouvernance sécuritaire se construit et se réalise sous le leadership de l'autorité territoriale avec une large consultation et participation de la population devenue coproductrice de la sécurité dans son milieu de vie, car la sécurité est l'affaire de tous. En vue de mettre en œuvre cette politique en avril 2022, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières a élaboré et validé son plan opérationnel national de mise en œuvre des actions et recommandations issues du plan d'action locaux de sécurité. Ce plan opérationnel national et les plans d'action locaux de sécurité constituent des outils d'engagement des autorités tant nationales que locales à améliorer la sécurité intérieure et consolider la paix avec le concours de la population. En juillet 2022, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières a élaboré son plan d'action prioritaire 2023-2025. Cet outil, cadre fédérateur des missions des différents services du ministère, est articulé autour des 6 axes prioritaires, ci après, qui intègrent également le plan opérationnel national de mise en œuvre des plans locaux de sécurité de 11 entités de l'Est de la République et de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est au vu de tout cela que les organisations de la société civile, se saisissant de cette politique du gouvernement, ont voulu appuyer justement cette implication de la population dans la gouvernance sécuritaire pour faire de la sécurité une affaire de tous. C'est ainsi que ces organisations qui s'étaient retrouvées dans l'atelier sur la demande citoyenne de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire et d'autres organisations qui ont été intéressées à la question se sont constituées il y a quelques jours en une synergie appelée Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire ACGS en sigle. Ces organisations sont les réseaux gouvernance économique et démocratie, le REGED, le Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement, la Ligue congolaise pour la paix, les droits et les droits de l'homme et les élections, la nouvelle société civile congolaise, SOSIGM, les associations africaines de défense des droits de l'homme, Action citoyenne par le développement intégral du Congo, pour le développement intégral du Congo, Société civile du Congo, SOSICO, Confédération des associations pour les œuvres pour le développement de la justice et de la bonne gouvernance, Corps des jeunes patriotes pour la paix et le développement,
le réseau d'éducation civique du Congo RECIC et Telema Mwana Yamapinga. D'autres organisations sont en train d'adhérer à cette démarche, à ces plaidoyers, et nous allons faire connaître comment dire, leur dénomination le moment venu. Donc aujourd'hui, nous lançons les plaidoyers de la société civile pour la budgétisation de besoins prioritaires de la gouvernance sécuritaire. Nous vous remercions. Ainsi prend fin cette conférence sur la demande citoyenne pour la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire ici en RDC. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Bajomboukou qui était derrière la caméra, à vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.